Augustin Trébuchon est un soldat de la Première Guerre mondiale qui était un berger de Lozère. Il s'est engagé volontaire en 1914. Il a fait toute la guerre, de août 14 jusqu'au tout dernier jour de la guerre, jusqu'au 11 novembre 1918. Et sa particularité est d'avoir été dans la toute dernière bataille dans les Ardennes et d'être, tel qu'on le pressent, on présente le dernier mort de la Première Guerre mondiale français, le dernier poilu tué, puisqu'il est mort un quart d'heure avant que le clairon ne sonne à 11 h le 11 novembre 1918. On pense que dans la Première Guerre mondiale, dans les soldats, en tout cas de l'infanterie, ceux qui ont le plus participé à la guerre et qui ont le plus souffert, il y avait 80% de la France, issus de la France rurale et ouvrière. Et il vient de Lozère, qui est le département de France qui a le plus subi de pertes rapportées à la population. On estime que c'est à peu près 5% de toute la population du département qui est morte dans les combats qui se déroulaient dans le nord de la France. Donc qu'il soit un berger, qu'il soit un homme du monde agricole, c'était tout à fait normal à l'époque. Et c'est aussi pour ça qu'il est le héros de mon livre, pour montrer cette universalité des paysans et par exemple des bergers. Des officiers ont raconté ça après la guerre. Ils ont dit mourir le dernier jour, c'était mourir deux fois et on ne pouvait pas, entre guillemets, mourir le dernier jour. Puisque l'armistice a été signé à 5 h 15 du matin, le 11 novembre, mais qu'on a dit le clairon sonnera sur la dernière bataille, le dernier champ de bataille à 11 h le 11-11. Donc on les a laissés se battre et donc mourir jusqu'à 11 h du matin. Et ces derniers morts, il y en a eu une trentaine, une quarantaine dans ce champ de bataille des Ardennes, n'ont jamais été effectivement assumés officiellement par l'armée. Et donc quand on va dans le cimetière de Vrigne-Meuse, où il est enterré dans les Ardennes, tous ceux qui sont morts ce jour-là, effectivement, sur leur croix, il est inscrit 10 novembre, alors qu'on sait très bien qu'ils sont morts le 11 novembre. J'ai voulu raconter son histoire particulièrement parce que je trouvais très émouvant la figure d'un berger, d'un homme assez âgé pour l'époque. Il avait 36 ans quand il s'est engagé, donc c'est ça qui m'a beaucoup ému. Il est agent de liaison, donc il fait un métier, une fonction extrêmement dangereuse, et il survit jusqu'à 15 minutes. 15 minutes sur 1560 jours de conflit, c'est rien. Et il va mourir sur un ordre qu'un officier va lui donner, un ordre complètement absurde, et il sera le dernier mort d'une guerre qui va faire presque 10 millions de soldats morts, autant de civils quasiment. Finalement, on se demande, au regard de l'histoire, 100 ans après, pourquoi il y a eu tous ces morts et pourquoi lui, en plus, meurt le dernier à un quart d'heure près, alors que le conflit était déjà terminé.